Hey yo tout le monde, c'est Steve, on se retrouve aujourd'hui sur Destroy the Porn. Ok, c'est un jeu complètement chelou. Vraiment chelou au niveau de la qualité surtout. Donc on se retrouve sur le jeu Destroy the Porn en compagnie de mon cher Alan After. Salut à toi. Salut, bon, ça va? Ça va super. Et Kevin Graphique. Salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien toi? Ben fatigué mais ça va. Alors j'ai oublié les touches pour sauter, je ne sais absolument plus ce que c'est. C'est où? Parce que genre, ah oui, je peux pas encore sauter, c'est vrai. Alors donc c'est un jeu dans lequel nous sommes censés... Oh putain, nous sommes censés récupérer des objets, des trucs comme ça et tout. Et là il faut que j'appuie sur K, voilà, K pour sauter, c'est vrai. Bon écoutez les gars, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu aussi du petit projet qu'on met en place ces temps-ci hein. Comme ça au moins vous serez prêts pour le 13 décembre, lancement officiel du projet. Bah écoutez, ce projet a l'air très grandiose. C'est un projet qu'on a créé il y a plus de 2 semaines d'ici maintenant. Ouais. Et ça fait quand même une éternité et des heures de travail, vous pouvez pas vous imaginer. C'est juste impressionnant pour un projet pareil. Normalement il faudrait des mois et des mois, et là on a réussi à le faire en quelques semaines. Donc, franchement c'est vraiment nickel. Ouais. Et puis niveau du projet en lui-même, ça commence bien. Donc je pense qu'on va vraiment faire du bon taf, et je pense franchement que le projet en lui-même avancera tout seul, tout simplement, et même très vite. Et ça permettra aussi à beaucoup de monde de pouvoir nous connaître. Oui, c'est sûr, pour l'instant il commence vachement bien le projet, en tout cas c'est ça qui est super sympa. Là, comme vous pouvez le voir vite fait, je repasse la vidéo, je viens de récupérer une arme. What the fuck? Je viens de récupérer une arme qui va me permettre donc du coup de tuer tout ce qui se passe devant moi. Mon cher Kevin, qui sera l'un des deux graphistes du projet. Hop là, donc présente-toi mon cher. Voilà, donc moi c'est Kevin Graphique, je suis l'un des deux graphistes, comme l'a dit Tib, du projet de la Ligue des Youtubers. Donc peut-être je ferai quelques vidéos YouTube secondairement, mais bon, principalement je suis graphiste. Donc c'est un petit projet, enfin pas un petit, plutôt un gros projet qu'on vient de commencer. Ouais. Qui débutera donc le 13 décembre, qui demande pas mal de travail au niveau de tout le monde, que ça soit YouTuber ou graphiste. Sachez aussi qu'on travaille d'arrache-pied depuis 2 semaines hein. On travaille d'arrache-pied sur le projet qui est juste énorme. Donc c'est personnellement aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de vidéos en ce moment. Que ce soit sur n'importe quelle chaîne YouTube. Ouais, que ce soit sur n'importe quelle chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je comptais m'excuser aussi du manque de vidéos en ce moment. Mais je suis re-là pour vous refaire un peu des vidéos. Et n'oubliez pas non plus que dès que le projet sera lancé, il y aura beaucoup plus de vidéos, du fait aussi qu'il va falloir poster des vidéos sur la chaîne, etc. etc. Donc les vidéos seront de retour dès le 13 décembre en compagnie donc de tous nos camarades et youtubeurs qui seront présents eux aussi pour le bon fonctionnement de la chaîne YouTube. Donc on l'a pas dit sauf Kevin, donc la chaîne qui va s'appeler la Ligue des Youtubers. Donc c'est un nom plutôt basique, d'accord, mais c'est ce qui fera aussi son efficacité. Voilà, c'est un petit message que je tenais à faire passer de par notre travail qui s'annonce tellement grandiose. Ensuite, avez-vous d'autres choses à dire? J'ai juste une question. Oui. Qui a déjà vu Maman Gérard Tavion? Moi. Ouais, moi, je crois que j'ai vu. De quoi? Tu n'as jamais vu Maman Gérard Tavion? Ah oui, ouais. Ah oui, j'espère bien. Quand même. Quand même, quoi. C'est l'un des plus cultes films, des films les plus cultes que nous pouvons avoir quand même dans notre génération. Enfin, génération. Ouais. On va dire des années 90, mais bon. Sachant que nous ne sommes pas tellement des années que 90, hein. Nous c'est plus fin 90. putain, mais voilà. Alors là, j'ai réussi aussi à choper un double jump dans le jeu, donc ce qui me permet de sauter un peu plus loin et de ne pas me prendre tout ce qui peut être détritus. Comme ces putains de méchants que si je les touche, ben non seulement je meurs. Ouh putain, j'ai failli crever là. Non seulement je meurs, mais je reprends au point là où je m'en étais arrêté. Waouh, c'est quoi ça? Death machin armor, not even hot lava. Ok, donc en gros je crains pas la lave. Oh, c'est bon ça. Je ne crains pas la lave, donc là je me promène un peu dans la lave, hein, d'accord. En fait ce jeu est overcheaté, c'est ça? Si je comprends bien. Oui, c'est en fait j'ai bien compris, ce jeu est overcheaté. Hop là. Je ne crains pas la lave. Putain, moi aussi j'aimerais bien ça comme armure dans la vraie vie. Ce qui nous permettrait d'être invincible, messieurs dames. Mais putain, par contre je crains toujours ces sortes de papillons. Mais non. Allez, mais... Oh, je vais me péter un câble. Voilà. Mais non. J'arrive à passer ce petit papillon à la con là et je me reprends encore un machin dans la gueule.
Putain. Putain. Vas-y, crève. Tu m'as tué, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Au moment où je suis en train de faire mon montage, et à un moment je me lève, tu vois, un peu plus fort, et juste à ce moment tu fais putain, on aurait vraiment dit que c'était moi, quoi. C'est ça qui est bon, ma gueule. Toujours synchro, toujours synchro, ma gueule, toujours. What? Oh, je suis mort comme un gros teubé, putain. Vas-y, toi tu vas crever aussi. Toi aussi. Voilà. Mais non! 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 Oui! Oh, cette chatte que je viens d'avoir. Oh, cette chatte que je viens d'avoir, j'ai sauté toujours au bon moment. Encore un truc, Eternity Booster. Ça me servirait à quoi? Ah ouais, d'accord, pour sauter contre les murs. Ouh, c'est kiffant. J'ai envie de vous dire tout simplement que vous pourrez me poser des questions sur dans les commentaires de cette vidéo. Je suis mort comme un gros teubé. Dans les commentaires de cette vidéo, je compte peut-être vous faire une vidéo FAQ d'ici peu. Donc je ne sais pas encore quand quand exactement. Mais au moins vous faire une vidéo FAQ, ça fait un petit moment que je vous en ai pas faite. Donc et ouais, j'aime le cul, ouais, c'est, on va dire ça comme ça. Alors, en tout cas, donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Petit cochonnet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Putain, mais j'arrête pas de mourir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, ce qui me fera un grand putain de plaisir. De merde, je suis mort encore une fois. Au moins comme ça, je pourrai y répondre dans la vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, etc. J'y répondrai très gentiment. Y a pas de souci là-dessus. Alors je vais me faire le boss et je vous quitterai pour cette vidéo parce que là j'en peux plus putain, j'arrête pas de crever. C'est le boss, ça je dois le tuer, c'est ça? Ouais, the best. Putain, il me lance des. Oh, j'ai esquivé de peu. Waouh. Oh putain, j'ai eu chaud. Hey, détruis sa main. Ok, c'est le diable en fait. Il est marqué 666. Oh putain, j'ai cru qu'elle allait me tomber dessus, j'allais me dire non. Non. Je suis mouru. Allez, je lui détruis sa main. Ça c'est fait, voilà, nickel. Il ne doit pas pouvoir m'attaquer. Voilà, allez, je détruis sa deuxième main. Maintenant il viendra m'attaquer lui-même. Super, voilà. C'est violent, maintenant je crois que c'est lui qu'il faut que j'attaque. Oui. Comment j'ai fait pour résister à ça? Allez, oui, je vais le tuer. Oui. You have to me. What's more life than you? Ok, on s'en fout du texte en fait. On a réussi, les amis. Santana. Ok, oui, le diable a marqué 166 à côté de toi, espèce de con. Donc j'ai réapparu je ne sais où. Et ce nom de jeu qui est complètement, totalement, what the fuck. What? Non, détruire un maximum de choses. Bah écoutez, on va se terminer là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour toutes ces petites répétitions qu'il y a eu. Ce n'est pas dans mes habitudes généralement de répéter autant de choses. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai non pas dans les commentaires, mais lors de la vidéo FAQ. Donc ne vous étonnez pas si je réponds pas, même si ce n'est pas mon habitude de ne pas répondre. Proposez-moi aussi des jeux pour les prochaines vidéos qui arriveront dans mes sur la chaîne. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Allez, ciao.